hier, je me dis, dis donc, tu crois que la France, c'est comme de gérer Bordeaux? Alors j'ai dit, hé, moi j'ai fait de la prison, j'ai créé un tram, j'ai bu des coups avec des gamins, bon, à toi. Non, là, croc-croc, en tant que maire de Paris, croc-croc, et président du RPR, croc-croc. Mais enfin, c'est Juppé, c'est pas Chirac qu'on fait. Oh, c'est Juppé. Ah ben oui. Ah bah il est loupé ce spectacle de marionnettes. Il est loupé. Non mais écoute, c'est bon, je vais pas faire la conne pendant 3 heures, c'est bon. Suite à l'élimination de Cécile Duflot dès le premier tour de la primaire des Verts, M6 ne sait pas quoi faire des rushs de l'émission de Karine Le Marchand qui avait déjà été tournée avec elle. Ben oui, c'est pas intéressant pour eux en termes d'audience. Elle est même plus dans la course alors qu'ils parlent. Ben oui. Je trouve en revanche que M6 doit respecter son engagement écologique. C'est la moindre des choses. En diffusant l'émission. Non, en jetant les rushs dans la poubelle jaune. Ah bah attends, ça se recycle des roches, j'imagine. Tu peux faire tout un tas de choses, un ramequin, oui. Une bouteille, un cendrier, enfin quelque chose, quoi. Qu'est-ce que tu glousses, toi? Mais non, mais c'est le buzz du moment sur Internet. Un type saute dans l'eau, il fait une chute de 30 mètres. Et il se filme. Et maigre buzz par rapport à un autre que je connais, et qui passe tous les soirs à la télé, qui fait une chute depuis 5 ans. C'est pas mal, hein? T'as vu l'analogie, là, que j'ai trouvée? C'est super! Oh, elle est géniale! Madonna a déclaré qu'elle pratiquerait une fellation à tous les hommes qui voteront pour Hillary Clinton. Mmh. Courageux, hein? Ça va grossir les rangs des démocrates, cette proposition. Non, je sais pas. Ah oh, bah si, et Madonna, le sexe symbole? Attends, ça se refuse pas quand t'es un bonhomme, une fellation de Madonna. Ouais, bah... Oh bah attends, si, elle est peut-être plus de première fraîcheur, mais quand même une fellation de Madonna, bah tu fonces, quoi. Oui, mais c'était vraiment républicain, et que tu n'as pas envie de te faire faire une fellation. Eh bah tu te feras enculer par Trump. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, c'est ce qui arrivera. Hein. S'il passe, on l'aura tous dans le baba. Hein, c'est, je te dis. Oui, oui. La police a de nouveau manifesté. Ils étaient 500 dans les rues de Paris. Oui, selon les manifestants. Mais selon la police? Ben 500. Selon la police? Oui. Et selon les manifestants aussi, puisque c'est la police. Ben, Liliane, quand même, c'est... ils sont policiers. Oui. Bon, ils manifestent. Donc, du coup, le chiffre, c'est 500. Mais c'est la police qui a compté les manifestants? Là, tu as 500 policiers qui manifestent ensemble. Là, tu as 500 manifestants. Ils manifestent ensemble. Il se trouve que c'est la police qui manifeste. Donc, ça fait que c'est les 500 qui sont ensemble. C'est les mêmes. Réfléchis un petit peu. Là, tu as un manifestant syndicaliste. Là, tu as un Condé. C'est les mêmes. Eh ben alors? Alors, qui a donné ce chiffre de 500, Liliane? Réfléchis. François Hollande?